Vous êtes sur RTL. 22h58. L'essentiel de l'actualité donc avec Alexandre de Saint-Étienne. Bilan de l'acte 20 des Gilets jaunes, mobilisation en baisse, 33 700 participants. Selon le ministère de l'Intérieur, c'est 7 000 de moins en une semaine. Manifestation dans un calme relatif malgré quelques affrontements à Avignon, Saint-Étienne ou encore à Bordeaux. Nathalie Loiseau lance la campagne des européennes pour la majorité. Premier grand meeting pour La République En Marche cet après-midi. La tête de liste a fustigé les nationalismes et défendu l'écologie tout en vantant la cohérence de sa liste. En Algérie, l'armée appelle de nouveau à écarter Abdelaziz Bouteflika. Le général Salah demande que le président algérien, affaibli par la maladie et contesté par la rue, soit déclaré inapte à exercer le pouvoir ou bien qu'il démissionne. Une heure dans le noir pour sensibiliser à l'écologie. De nombreux monuments à travers le monde ont éteint symboliquement leur lumière ce soir durant l'Earth Hour. Entre 20h30 et 21h30, mobilisation citoyenne organisée par le WWF, de l'Opéra de Sydney au siège de l'ONU à New York, en passant par la Tour Eiffel à Paris. La météo demain, froid et soleil le matin, assez lumineux également l'après-midi, même si on prévoit des nuages plus nombreux avec quelques ondées au nord de la Seine. Les températures pour demain après-midi, 16 degrés à Amiens, 17 au Havre, 18 à Marseille, 20 degrés à Paris, 22 à Grenoble.